Et Thomas Stormy, donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc dans cette vidéo, on se retrouve sur iPixel pour Tombed Wars. Alors dans cette vidéo, c'est une petite vidéo information, pas à propos de la chaîne haute, mais un petit avis. Donc en fait, depuis quelques temps, le Rush est devenu un jeu super la mode, avec nous surtout Ascensia qui voulait ses Rush et qui font un super carton avec les YouTubers et tout. C'était bien, c'était une bonne phase. En ce moment, après la sortie de Unica Brain, ça s'est calmé un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de vidéos rush et autre chose. Même s'il y a quand même beaucoup de joueurs, ça s'est quand même pas mal calmé. Et là, ce que je vois, c'est que les Bedwars, justement, c'est pour ça que je suis en Bedwars là, prennent le dessus. Et franchement, quand on y pense, c'est quasiment le même type de comment on appelle ça? C'est quasiment le même type de truc. De jeu. C'est un lit, il faut le protéger et autres. Sauf que ça change un peu quoi, et je trouve que c'est quand même, moi étant développeur actuellement sur les couverts, c'est-à-dire qu'ils proposent du Bedwars français, j'en ai développé des plugins, enfin, oh la vache, super, je suis mort, j'ai aidé Ravunvec à développer son plugin Bedwars, et franchement les gens ils adorent le Bedwars en ce moment, j'ai fait du... Donc franchement, pourquoi est-ce que j'ai deux pioches en bois? Franchement, c'est un truc qui fonctionne super bien en ce moment. Et je pense que si on commence tous à aller sur, par exemple, les couverts, un hein, franchi chez Bedwars qui est super bien, ou alors iPixel aussi, mais c'est anglais, enfin bref, c'est pas la même comique quoi. Franchement, on pourrait transformer le Bedwars en nouveau jeu à la mode, et ce serait trop bien parce que ça permettrait à une nouvelle, des nouveaux trucs à faire, un nouveau classement, enfin, ça pourrait révolutionner totalement le truc. Donc je pense oui que le Bedwars c'est le nouveau Rush. Et je pense vraiment que ça a un énorme avenir derrière ce mode de jeu. Là par contre je lag énormément in-game. Je suis en train de downloader des fichiers de mon site pour les sauvegarder. Donc je lag un peu. Mais on pourrait découvrir plein de nouveaux techniques, les maps, il y en a beaucoup plus que le Rush classique. C'est juste une seule map et c'est du... Enfin, les roches classiques, les roches MDT de Funcraft, c'est une map et c'est tout. C'est... À la fin, ça va devenir très lassant. Là, on a le choix. On peut avoir des maps totalement custom. Les maps, à chaque game, on pourrait les changer. Et après, c'est juste à la limite de notre imagination. Après, tout ce qu'il nous faut dans une partie de Bedwars, c'est un lit, un générateur d'items et des villageois. Et c'est comme un rush, après, quand on y pense. Il y a des villageois, sauf que tous les villageois sont... Quoique, Ascensia, ils ont fait pareil avec les petits villageois. Il y a pareil là. Parce qu'il y a beaucoup plus d'objets qu'en rush. On a beaucoup plus de lingots. Enfin, c'est un autre système de jeu. Mais c'est tout aussi bien, je pense. Et franchement, ça a un énorme avenir derrière. Je vais pas faire cette vidéo trop longue non plus. J'ai pas envie de vous barder, enfin, vous embêter avec tout ça. Je pense que je ferai une petite vidéo de 5 minutes maximum, peut-être. Donc, je vais juste finir la game avec vous. Et on va voir ce que ça donne. Parce que franchement. C'est ma première game Bedwars sur iPixel. Sinon, je n'ai fait pas mal sur les couverts. Par contre, il n'y a pas de la souris, c'est dommage. Sur les couverts, sur 1.9, il y a la seconde main, c'est pas mal. Ça reprend un peu l'idée de la seconde main de Funcraft. Donc, pour tous les joueurs Funcraft qui aiment bien les rushs et qui veulent passer peut-être sur du Bedwars, et bah, les couverts, c'est le serveur parfait. Franchement, dès que la nouvelle infra sera mise en route, je pense que les couverts, c'est un bon serveur pour faire du rush. Et je pense que ça pourrait cartonner super bien. Surtout qu'avec la nouvelle infra qu'on pourra là, on pourra sûrement attendre les 1000 co et être aussi gros que des serveurs comme Bad Block. Enfin, Bad Block, ça fait un bad buzz en ce moment. Make, Epic Cube et tout ça. Donc, j'espère pour. Je dis pas ça pour faire de pub pour les couverts parce qu'il y a sûrement d'autres serveurs Bedwars qui le font aussi. Mais pour l'instant, le seul que je pense qui fonctionne bien et qui a une bonne commu derrière et qui a des bonnes initiatives. Parce que la fourchette et Ikaoui ont déjà fait une vidéo du genre et que. Que le rush meurt un peu et que le Bedwars reprend le dessus, même si Ikaoui bah, peut vraiment dire que le truc meurt parce que il a un jeu sur Ascensia quand même, mais tu vois, ça peut être un super truc. Alors, je vais essayer de le combo. Oh là là, il a une épée en diamant, c'est mort. Ouais, oh là là, c'était nul. Je lag, c'est parfait. Bon, on va essayer de se refaire un mini stuff très rapidement. Alors, oh là là, je le vois arriver. Alors, je vais me faire. Ça, et j'essaie de me faire aussi une armure. Ah, j'ai pas assez. Il est là, il est là, il arrive. Non, c'est ça mon lit. Ça fait peur, ça par contre. Il est pas là? What? Pourquoi ça me craque ça?
Enfin, bref. Je découvre en même temps que vous. Je savais pas. Je découvre. Donc, ouais, je vais essayer de finir. Ça passe, c'est un petit peu plus que 5 minutes. Et je vais essayer de rapidement finir la game. Et puis, au pire, si ça se finit pas ou si je meurs avant, c'est pas grave. Je tiens à dire aussi que je vais essayer de faire du daily upload. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est vraiment la troisième vidéo de la chaîne à la suite. Donc, c'est la première fois que je fais ça. J'ai mon ping qui commence à descendre. J'espère que ça a bien fonctionné. Je fais ça, donc c'est normal que peut-être pour le début, les vidéos n'auront pas beaucoup de vues. C'est sûrement normal, mais je vais essayer de m'y prendre vraiment. Et je sais pas par. Oh là là, non, là, là c'est pas juste un petit coup de lag, c'est que j'ai totalement bugué. Je suis totalement bugué, youpi. Donc bon, on va se balader un peu en attendant que ça time out. Donc en fait, je vous disais. Ouais, je pense vraiment que. Voilà, voilà. Je pense vraiment que c'est un avenir derrière. Donc voilà. Donc oui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais du développement en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais sortir plein de contenu comme ça. Et j'espère que cela vous a plu, franchement. Même si c'est une vidéo un peu courte et très informative, surtout. Je vais sortir surtout des. Alors là, j'ai déjà sorti une vidéo qui est telle fois. Et j'ai beaucoup de projets là sur ma chaîne que je vais faire. Donc franchement, ça serait super bien de lâcher un petit like aussi et en commentaire dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et votre avis aussi aux fonctions du Roche et du Bedwars. Voilà, sur ce, c'était Oramni. N'hésitez pas à vous abonner pour la 4e fois. Et sur ce, ciao!